Il y a quatre grandes catégories de critères qui ont été mises en exergue. Le premier critère, c'est comment la ville, comment la métropole lance des actions de promotion, de stimulation. C'est un problème culturel, donc il faut lancer des actions de promotion de l'esprit d'entreprise et le faire dans le temps, de façon régulière, intensive, professionnelle et très visible. Il faut de la visibilité médiatique, il faut de la visibilité dans la société civile et il faut que ça donne envie. C'est un vrai objet de marketing social. La deuxième critère, c'est la qualité de l'accompagnement avant la création d'entreprise et la qualité de l'accompagnement après la création de l'entreprise. Le troisième, quatrième critère, c'est le financement, l'accessibilité aux sources de financement. Elle a dit, bien entendu, le nerf de la guerre restant toujours le financement. Et non seulement l'accessibilité, mais la diversité des sources, types et adéquation de financement selon les étapes de croissance, des étapes de la vie de la start-up, de l'entreprise. Et finalement, un dernier critère qui est plutôt un critère culturel, qui est la dynamique économique du territoire. Et là, en effet, on va retrouver la localisation, la connectivité, l'ouverture internationale, l'interculturalité, j'ai oublié de le dire, mais c'est évident pour une métropole transfrontalière comme Lille. Le facteur interculturel, pluriculturel est essentiel et détermine la qualité de la dynamique entrepreneuriale, évidemment.